Je m'appelle Mindy, je suis américaine qui vit en France depuis plus de 5 ans. And I've seen some videos recently about what people are wearing in Paris. I thought it would be fun to do for my region as well. So today we're in Nancy, France. It is a larger city. You'll also notice it's quite the student city. And Nancy is located between Paris and Strasbourg. All right, let's see what people are wearing today in Nancy, France. Bon, ok. Bon bah moi c'est Malone, voilà. Alors du coup, qu'est-ce que je porte? Je porte des petites Adidas, simples, que j'ai acheté cet été. Un petit jean Levi's que j'ai eu sur Vinted. Un petit sweat Arte et une veste Lacoste que j'ai eu en solde, tout. Et puis voilà. Et puis ouais, un sac qu'on m'a offert. Un petit sac Gay Voltaire. Ah. Et tes bagues, est-ce qu'il y a une histoire Ah, mes bagues non, c'est pareil, c'est des bagues qu'on m'a offert à Noël. Ça, c'est mon papa qui me l'a offert, c'est une chevalière. Du coup, voilà. Ouais, bah moi, j'aimerais bien faire une licence et un master information communication. Je sais pas trop ça va donner sur quoi après, mais c'est ce que j'aimerais faire, voilà. Moi, je m'appelle Paula et j'ai 16 ans. Ce que je porte aujourd'hui, mon pantalon, c'est un Asos, mes chaussures, c'est des Reebok. Mon pull, c'est un H&M et ma casquette, c'est une Ralph Lauren. Bah, moi, je m'habille simplement des jeans et des pulls parce que c'est confort et j'aime bien. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'avenir? Dans la vie, je sais pas tout ce que je veux faire. Peut-être du tourisme, mais je suis pas sûre. Tu es toujours au lycée? Oui, voilà, je suis toujours au lycée. Mon compte Instagram, c'est paula.tmsr. Alors moi c'est William. Alors oui, j'ai des Onitsuka Tiger que j'ai acheté sur Vinted, 15 euros. Un jean JD de London que j'ai eu pour Noël. Un pull basique, je sais plus d'où est-ce qu'il vient. Une veste en cuir que j'ai eu sur Vinted, sympa. Une écharpe que j'avais acheté il y a longtemps. Et après un sac que j'ai acheté en restock militaire. Voilà. Je suis en études d'archi et à Nancy là, et c'est cool. T'as des projets pour après? Ouais, ouvrir une agence peut-être et voilà, j'aimerais aussi me lancer un peu dans la musique. Donc, ouais, ce serait cool. Bah, merci. Pas de soucis, merci. Alors du coup, moi je m'appelle Lucie. Je suis étudiante en alternance en commerce et négociation. Voilà. Ouais. Alors du coup, là tout de suite, donc j'ai des Converse plateforme blanches. J'ai un petit pantalon qui vient de chez Pull&Bear avec le blazer qui va avec. Ça, c'est une ceinture mage. Le sac, c'est le Henny de The Couples. Là, c'est juste un petit pull, je crois, qui vient de H&M pour le coup. J'ai une montre, hop, Cluse. Des boucles d'oreilles Agatha, une paire de lunettes de soleil Michael Kors et un bracelet histoire d'or. Parce que je travaille aujourd'hui, vu que je suis commerciale et du coup, ben voilà, je suis obligée d'adopter un style sobre. Voilà. Alors pour le coup, je m'habille assez simplement, toujours dans des tons très très neutres. J'aime pas trop les choses un peu, voilà, qui sortent un peu trop de l'ordinaire. Par contre, j'aime beaucoup accessoiriser. Voilà. Ben moi, je m'appelle Jeanne, j'ai 17 ans et je suis lycéenne à Nancy et je passe mon bac. Alors aujourd'hui, je porte des vêtements qu'il y a partout, chez Zara et tout. Et c'est tout, avec une jupe et un pull d'adolescente classique. Voilà. Ah ouais, alors moi, d'habitude, je porte des treillis militaires. Je porte pas trop des jupes tout le temps, mais j'ai un style classique, un style de notre âge. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire infirmière psy avec des adolescents en difficulté, qui sont schizo, etc., etc. Bonjour, je m'appelle Louis, et du coup, bah, ça c'est ma tenue. Donc, c'est des Nike, je sais plus quand je les ai achetés. Mais ça, c'est un pantalon H&M, voilà, je l'aime bien, même s'il est un peu grand. Du coup, bah, j'ai une ceinture avec. J'ai un t-shirt lambda noir avec ça. Et une veste que j'ai volée à mon père. Du coup, voilà. Et des boucles d'oreilles aussi. Voilà. Et est-ce que tu as des projets?
Bah, j'aimerais bien être magistrat, c'est juge en gros, donc fac de droit, mais du coup voilà. Bah, je m'appelle Lise Jong. Bah, aujourd'hui, je porte mon haut et mon bas, ils viennent tous les deux de Vinted. Après, j'ai mon sac doc et mes docs avec une veste en cuir. Non, les bijoux, c'est des souvenirs ou des cadeaux, mais j'ai pas d'histoire particulière. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, je suis au lycée aussi. LISO.ON. Merci. Alors, du coup, moi, c'est Paola et je suis aussi étudiante en alternance dans le commerce, pareil. Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai des bottines qui viennent de chez Pinky. Ma jupe vient de chez Zara. La ceinture, je sais plus. Le pull, donc c'est juste un pull col noir, col en V. Je sais plus d'où il vient, non plus. Je crois que c'est de Pinky aussi. Le blazer, c'est Zara. Le sac, c'est un Zadig et Voltaire. Et au niveau des bijoux, j'ai aussi une montre Zadig. Et les autres bijoux qui viennent surtout d'une boutique indépendante qui est sur dans les Vosges. Et je crois que c'est tout. Ouais. Boucle d'oreille, c'est pareil, c'est la même boutique. Alors bah moi du coup c'est mon style de tout le temps. Je suis pas au boulot aujourd'hui moi, donc moi je dirais que je suis plutôt un style assez élégant. Toujours je me ferai un petit blazer qui est élégant, je dirais, c'est le mot. Je reviens continuer en tant que commercial, donc toujours évoluer dans ce domaine et voilà, évoluer dans le temps commercial. Je m'appelle Lily. Bah, je m'habille un peu comme une daronne, c'est-à-dire, voilà. Mais là, ça va, en vrai, j'ai fait un petit effort, léger. L'entièreté de ma tenue est à mon frère, mis à part le pantalon. Voilà. Je suis au lycée. Je m'appelle Yanis, j'ai 16 ans. Je m'habille juste comme un jeune de TikTok un peu. J'ai une veste Arte, c'est une marque belge. Après j'ai un pantalon Azos, j'ai une paire de New Balance et c'est un peu tout. Bah parce que j'aime bien, c'est un peu c'est confort et en même temps j'aime bien, donc c'est pour ça. Et c'est un compte Instagram ? Ouais. C'est YANISSD. All right, and that is a wrap. Whenever I do these interview series, like I honestly get a little bit nervous to like go up and ask people and talk to them, but definitely get some no's, but I also get lots of yeses. So I want to give a grand merci à tout le monde qui ont dit oui et on a bien discuté. Ça faisait plaisir de vous rencontrer. And if you want to see future travel videos and more things related to France, feel free to subscribe. Thanks so much for watching. Gros bisous et à la prochaine. Salut.